tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode d'Hunter Spirit 49. Donc je vais pas vous dire où je suis. Je suis dans un manoir qui est situé en Anjou. Et il ressemble trait pour trait au manoir de la première enquête. Hein. Je sais pas si vous nous suivez, hein. Vous avez dû le voir, cet épisode c'est le premier. Avant de commencer la visite, j'aimerais rendre un hommage. Donc aujourd'hui je suis accompagné, hein. Le manoir est dangereux, mais je vais y revenir plus tard. Je voudrais rendre un hommage à Julien de Ghost Story. Je viens de l'apprendre aujourd'hui, il décide d'arrêter... Tiens Jérémy, tu peux te prendre le sac, on va le mettre à l'intérieur. Il décide d'arrêter donc les enquêtes paranormales. Donc Julien, je te fais un gros bisou, tu as été pour moi un modèle. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, bah, c'est un petit peu grâce à toi. Voilà. Donc ce manoir, j'ai encore cherché sur internet, hein, on trouve pas beaucoup de renseignements sur lui, à part, vous allez le voir, il est ultra, mais ultra flippant. Julien d'ailleurs devait y faire une enquête, et puis finalement avec sa décision, il va pas la faire, donc pour l'instant je suis le seul à oser l'aventure dans ce manoir. Il est donc beaucoup plus flippant que le premier, il est aussi beaucoup plus dangereux. On va aller faire la visite de nuit. Sachez que j'ai fait deux visites avant donc cette enquête. Et à chaque fois, le K2 s'est activé. Donc voilà, je vous montre un peu les extérieurs. Voilà. On va pas perdre de temps hein, parce qu'il est. Alors je sais pas si vous le voyez, il y a un petit reflet, il est 20h20 passé. On est au mois de septembre. Donc la clarté baisse rapidement. Donc Jérémy m'accompagne aujourd'hui, hein, c'est un ami et un abonné, donc il suit notre chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas enquêter dans des endroits dangereux comme ça seul. Donc on va entrer dans le manoir. On va faire une visite rapide et guidée. Je vais me présenter comme je fais d'habitude. J'ai avec moi le K2. S'il s'active, hein, bien sûr, je vous montrerai. Bonsoir. Jérémy, t'as ton K2 ? Ouais. Ouais, tu peux l'allumer, c'est bon. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis venu à deux reprises vous rendre visite. Oh la vache, l'état. Donc il est en piteux état, hein. Enfin, vraiment je l'ai trouvé ultra flippant, ce manoir. Je pense que cette nuit ça va donner, hein Jérémy? J'espère. Donc, non mais au niveau de la flip, il y a quelque chose d'oppressant dans ce manoir. Bon déjà il y a son état. Quand j'y suis allé deux jours, j'ai décidé, il y a des bouteilles d'eau tiens. J'ai décidé de ne pas enquêter au premier étage parce que c'est, vous voyez, l'état du plafond. Donc au-dessus c'est le premier étage, hein. Donc moi j'ai pas trop envie de mettre les pieds là-dessus. Donc en fait, tu vois Jérémy, moi je fais toujours des visites de jour, bon tous les chasseurs de fantômes en font. C'est pour... voilà, il y a un escalier aussi, j'étais jamais venu par là. C'est pour en fait tâter un petit peu le terrain, bon, essayer de prendre contact directement avec les esprits ou les entités qui peuvent habiter le lieu. Ouais. Voilà, on dit bonsoir, on se présente et puis ça nous permet aussi d'évaluer ce qui est dangereux ou pas. Donc de toute façon là j'ai toute la structure est dangereuse. Hein. Franchement là je vois pas ce qui n'est pas dangereux ici. Donc on va faire une visite rapide, on installera le matériel après. Oh la vache putain. Bonsoir. Putain sur quoi je marche là? C'est super dangereux. On va pas aller. Plus c'est pas très propre.
pousse-toi du champ si tu veux pas être filmé. De toute façon, je te dis, j'enlèverai ton visage après. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à vous. Je suis quelqu'un qui essaye de prendre contact avec d'éventuelles entités. Est-ce que ce manoir est habité? Est-ce que vous souhaitez prendre contact avec nous? Donc je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure hein, comment vous pouvez faire. J'ai des appareils avec moi. J'ai dans ma main un appareil qui s'appelle le K2. Donc c'est un appareil qui ne peut pas vous faire de mal. Et si vous vous en approchez, ça montrera que vous, ça nous montrera tout simplement votre présence. Il est où le sac, Jean? D'accord, tu le vois là? Ok. Je ne sais même plus si on a été ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous là qui souhaite prendre contact avec nous? Donc voilà, je me sens pas très bien dans ce manoir, je dois l'avouer. C'est vraiment un endroit qui non seulement est délabré, un peu comme le premier, lors de la première enquête, mais en plus, je sais pas, il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose de vraiment pas rassurant. Je pense que cette nuit, je vais avoir peur pour la première fois. J'ai pas honte de le dire. Alors est-ce qu'on a été tout droit là? Je sais plus. On revient après. Ouais. Bon, ça a été un petit peu squatté. Hein. Ah d'accord, on est déjà venu ici. Hein. Je suis un petit peu paumé là. Allez. Donc on va monter au premier. Toujours le K2 dans les mains. Ça va nous permettre de voir un petit peu où on va mettre le matériel. Donc déjà le premier, je vais vous le montrer, hein, mais je ne vais pas m'y aventurer. Donc voilà l'état du sol. Hein. Donc la chasse aux fantômes, c'est bien gentil, mais... dans les limites de la sécurité, tu vois, je suis déjà essoufflé. C'est bête parce que là, il y a une belle cheminée, on aurait pu mettre des détecteurs EMF dessus. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie de Jérémy. On vient vous voir parce que on s'intéresse... On s'intéresse à vous. Excuse-moi, Jérémy. On s'intéresse à la vie après la mort. À la rigueur ici. Mais en pleine nuit, ça va être chaud. En pleine nuit, ça va être chaud. Parce que tu vois ici, ça a l'air d'aller. Là, pour l'instant, je bosse. Mais enfin, la nuit, moi, pour moi, c'est trop chaud. Moi, pour moi, je fais pas une enquête dans un sol où il n'y a plus de... où il n'y a plus d'étage. Tiens, fais attention à toi. Oui, donc je disais, on s'intéresse à vous et on est là pour prendre contact avec vous. On vous veut aucun mal. Mais vraiment aucun mal. Vous pouvez d'ores et déjà vous approcher de moi ou de Jérémy. On a un appareil dans les mains. Qui un appareil que vous avez déjà vu. Hein. Ah bah j'ai oublié de le mettre en mode avion, mon portable, ça tombe bien. Ah bah oui, donc là c'est normal. Voilà. Le K2 qui a réagi à côté du téléphone. Oui, donc je disais, tu l'as mis en mode avion, Jeanne? Ouais. Je disais, on s'intéresse à vous. On ne vous veut aucun mal, on est là pour vous.
Oh putain, l'étain. Donc toujours, hein, voilà, les petits jeunes hein, qui squattent, qui font n'importe quoi, qui dégradent. Ça me fout en rogne. Parce que ça devait être un bel endroit avant. Donc voilà, les gens, si jamais vous passez une soirée dans un endroit comme ça, essayez de le respecter, s'il vous plaît. C'est un petit peu notre histoire. Putain, même là, là, oh là là, on sait pas où mettre les pieds. Hein, c'est mon Dieu que je suis pas rassuré. Hein. Si on s'en sort vivant, Jérémy, ça fera une bonne enquête. J'essaye d'avoir un peu d'humour là, parce que c'est vrai que c'est pas du tout rassurant. Je sais pas ce que t'en penses, Jérémy. Donc il va vraiment falloir faire gaffe cette nuit. Je vais aller par là, je vais voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce manoir qui souhaite discuter avec nous? Bon bah là il y a eu du squat. Hein. Là c'est sûr, il y a des matelas dégueulasses. Que vous soyez une entité homme, une entité femme, ça ne nous pose aucun problème. On a différents appareils pour prendre contact, donc je vous expliquerai vraiment tout à l'heure. Hein. Donc là, on a des... Oh la vache, putain, je le sens pas du tout, là. Donc on a des... On a des petits mots, des petits... Les graffitis. Pas si longtemps que ça. Hein? Un 06. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. On a même la reine d'Angleterre de dessiner. Voilà. On a des gens qui ont du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec nous? Qui souhaite prendre contact? Mon Dieu, qu'il est flippant. Franchement, c'est le lieu le plus flippant où j'ai enquêté. Bon, maintenant, j'ai pas une grande expérience, mais c'est un lieu vraiment, vraiment, vraiment flippant. Hein. Plus, il n'y a pas de rambarde, il faudra vraiment, vraiment faire gaffe. Je vais attendre que tu avances un peu pour descendre, moi aussi. En pleine nuit, ça va être chaud. Donc, le bout de l'air, faut pas glisser. Ouais. Ah, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est le sol. C'est le sol, ouais, je le sens pas du tout. Et puis je sais pas, l'endroit est oppressant. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec nous? Approchez-vous de moi ou de Jérémy. On a un appareil dans les mains qui ne vous fera aucun mal. Et ça nous montrera que vous êtes là, que vous voulez discuter avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec nous? Ouh, j'ai entendu un beau bruit là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? J'ai entendu un bruit. Approchez-vous de moi, approchez-vous du K2 que je tiens dans les mains là. Faites-le réagir. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Bon après, hein, c'est une vieille maison. Ceci explique peut-être cela. J'essaie quand même de m'avancer un petit peu sur les poutres là, même si je le sens pas trop. Oh là 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 là, putain, ça fait ça, ça. Putain, l'endroit est monstrueusement flippant. Hein. C'est. Donc, apparemment, il serait abandonné depuis une quinzaine d'années, lui aussi. Hein.
Julien, c'est bête que tu arrêtes parce que je pense que tu aurais pris ton pied ici. Je pense vraiment que tu aurais pris ton pied ici. On va essayer d'explorer, voir s'il n'y a pas une cave. Toujours rien au K2 Non, hein, rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc ça, c'est nos affaires, hein, tout le matos qui est là. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une cave. Ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas de cave dans ce genre d'endroit. Oh putain, c'est dégueulasse. On a quelque chose ici aussi apparemment. Je sais pas si on peut y aller. Non, on peut pas y aller ici apparemment. C'est dommage parce que c'est pas trop crade justement. Quelque chose là, mais on peut pas y aller. Ouais, mais là c'est muré. Alors, est-ce que vous êtes timide aujourd'hui? Puisque la première fois, enfin, je suis venu deux fois comme je vous ai déjà dit, et deux fois j'ai mes appareils qui ont réagi. Vous voulez pas discuter avec nous aujourd'hui, peut-être? Peut-être qu'on vous dérange. Oh la vache, que l'endroit est glauque. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que l'endroit est glauque. Je me demande où je vais foutre mes caméras, moi. Parce que... Alors là, il y a une espèce de sortie... Ah, franchement, j'ose même pas pousser la porte de peur que tout s'effondre. Oh là là là, putain, l'état du truc. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas le cas. Hein. Je me demande où il mène cet escalier. On va aller voir quand même. Il a l'air récent, celui-là. Ouais, ce qu'on faisait il y a une quinzaine d'années, à peu près. Là, je pense que je pourrais en mettre une caméra ici, là, mais je suis un peu... Bon, je vais monter, je vais voir, hein. Je vais regarder si l'escalier est stable avant. Oh putain, ça grince. Viens pas, hein, Jérém. Hein. À deux, j'ai peur, là. Fais gaffe aussi, juste à l'entrée, t'as un trou. Juste à l'entrée, j'ai un trou? Ouais, derrière tes pieds. Ah ouais. Ça tombe bien, je voulais pas y aller. Attends de plus. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, ça a été squatté. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Puis il fait chaud là sous les combles. Bah, je vais me barrer d'ici, ici je le sens pas du tout. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec nous? Qui souhaite prendre contact? J'ai entendu un bruit là, lors de la visite, ça venait de la même pièce que moi, dans le fond. Est-ce que c'était vous? Putain. Je me casse la gueule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec nous? Approchez-vous, n'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous faire du mal. Et il y a plein de toiles d'araignées. Oh la vache, putain. C'est d'une flippante. C'est incroyable. Je pense que cette nuit, je vais pas être fier, moi. Ouais. Ils ont chié partout ici, en fait. Ouais.
Oh bah les mecs, quand ils squattent, de toute façon... Approchez-vous. N'ayez vraiment pas peur de nous. On n'est pas là pour vous faire du mal. C'est bizarre, je pensais qu'il y aurait eu une réaction au K2 comme la dernière fois. Ouais. Bah, la dernière fois, Jérémy était avec moi, hein, il peut attester que c'est vrai. Ouais. Bon, la première fois que je suis venu, il n'était pas avec moi, mais... Oh mon Dieu, l'état. La première fois, il n'était pas avec moi, mais il s'est passé la même chose. Alors la première fois, la deuxième fois, c'était avec le détecteur EMF du téléphone. Hein. Et la première fois, c'était avec le K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va ressortir. Attention à toi. On va prendre l'air. Je vais couper la... Je vais couper le truc. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de câble. Ouais. Bah, tu sais, on l'a peut-être pas trouvé. Hein. Ouais. On va aller voir. On va aller voir. Allez voir derrière. Allez. Attends, pousse-toi là, je vais filmer, montrer aux abonnés là, la dépendance de la maison qui s'est effondrée. Bon, on va pas y aller hein, parce que c'est un peu casse-gueule. Avec sans caméra ça va, c'est avec la caméra que c'est un peu casse-gueule. Je sais pas, là c'est une espèce de grange, mais il y a plein de ronces et tout, laisse tomber quoi. Il y a la torche. Oh là là, il y a des ronces partout là. Ah. Bon. Je pense que ça sert à rien d'insister. Le jour commence à baisser, on va installer le matériel. On va installer le matériel et puis... Puis voilà quoi. Je vous le montre. Je vais vous le montrer en une dernière fois. Je vais enlever mon épaulière. Hop, on va couper ça, ça sert à rien. Voilà. Ouais, avec les fils électriques là qui datent de Mathusalem. Bon allez, on va couper, on monte le matériel et je vous dis à plus tard quand il fait nuit. A tout à l'heure les abonnés. Allez, rebonsoir. Il est un peu plus de 10h30. Je commence un peu plus tôt l'enquête parce que voilà, on est en mois de septembre et que la nuit tombe vite. On a déjà installé le matériel, donc je vous propose d'aller le mettre en route.
Alors, éclaire-moi s'il te plaît, parce que là je vois que dalle. Merci. Alors. Donc ici dans cette pièce, on va laisser la caméra. Qui filme deux jours, hein. Vous vous rappelez, j'en ai une qui filme deux jours avec le Projo. J'ai mis le K2. Voilà, donc là c'est bon, ça filme. Je vais aller mettre en route le K2. Toc. Ça fait du bordel, hein. Hop, on va mettre droit comme il faut. Voilà. Donc, bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie de Jérémy. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, je suis quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui essaye de prendre contact avec vous. Donc pour ce faire, dans cette pièce, j'ai installé un appareil, donc je vais vous le montrer. Il est posé là avec un stylet rouge. Oui, il est là. Il fait 22 degrés, hein, pour info. Et cet appareil, en fait, si vous vous en approchez, va réagir. Il fera un bruit et des diodes vont s'allumer, des lumières vont s'allumer. C'est sans danger pour vous. Et ça va nous montrer que vous voulez communiquer. Donc je sais que vous n'êtes pas habitué à recevoir ce style de visite. C'est pour ça que je vous explique bien que c'est sans danger pour vous et que vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème. Voilà. On va vous laisser. On reviendra plus tard. On va aller mettre les autres caméras en route. Donc là, si je m'en souviens bien, il y en a une autre là-bas. On va remettre la lumière infrarouge. Moi je vois que dalle. T'as la grosse toi ? Non ? J'ai la petite. Ouais, t'as la petite. Ouais, je vais reprendre la grosse parce que là je vois que dalle. Tu vois, je me cogne partout. Tu veux aller la chercher ? Ouais, s'il te plaît. Ouais. Je vais essayer de prendre contact en même temps. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ouais, c'est trop dangereux, je vais me planter. Merci. C'est quand même beaucoup mieux. Toi, t'as la tienne, hein, Bidoute, hein ? Ouais. Allez, on va mettre en route les autres matos. C'est pas vrai, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Ouais, ça va. Alors. Coupé au montage. Non, ça fait partie du truc. Hein. Ça fait partie du truc. Hein. Normalement là, voilà, ça filme, nickel. On va aller mettre le pod en route. Putain, c'est super dangereux avec tous ces bouts de verre là. Là, je vais éteindre ma lampe. Donc bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie de Jérémy. J'ai disposé dans cette pièce un appareil qui s'appelle un pod. Regardez, je vous le montre. Si vous vous en approchez, je vais vous montrer. Voilà, ça fera une lumière et du bruit, c'est sans danger pour vous.
Vous pouvez vous en approcher, ça nous montrera que vous voulez communiquer avec nous. Donc n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. On veut des réponses sur la vie après la mort. Donc n'hésitez pas, surtout pas à interagir avec ces appareils. Je vais vérifier que c'est bien, que ça filme bien. Il est déjà en... Pourquoi il marche pas, non ? Il marche pas, le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que... Attends. Ah, bah, il marche pas le truc. Qu'est-ce que ce bordel ? Elle est vide ou quoi, la batterie, hein ? Ouais, elle est vide. Est-ce que c'est vous qui avez mangé toute l'énergie là ? Écoute, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va mettre... Ah, je suis obligé de couper. Ouais, donc heureux, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a eu la surprise en mettant en route le matériel que toutes les batteries pardon étaient déchargées. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis des piles à la place des batteries. Je sais pas combien de temps ça va tenir. On va redescendre et puis on va essayer de commencer cette enquête. Hein. Je suis désolé, je suis un petit peu perturbé. Je m'attendais pas vraiment à ça. Elles étaient pourtant chargées à bloc. C'est toi qui as le thermo, hein. Non. La spirette, tu l'as remis dans le sac. Thermomètre, j'ai remis dans le sac en bas. Ouais. Ok, bon, on va faire une petite séance de spirit box, tiens. On va commencer l'enquête là parce que. Alors. Attention à toi. Spirit box. Un capteur à l'eau, je pense. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Ça tape la radio. On va virer le FM. On va virer le FM. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric.
Comment vous appelez-vous ? Alors on perçoit des choses, mais... Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme ? Vous êtes un homme. Il me semble que j'ai entendu un homme. Est-ce que vous êtes content de nous voir dans ce manoir ? Essayez de parler plus lentement. Est-ce que vous pouvez répéter bonsoir ? C'était beau, celui-là. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom ? Je m'appelle Cédric. Et le prénom Jérémy également, est-ce que vous pouvez le répéter ? Est-ce que vous pouvez répéter le prénom Jérémy ? Il semble que je l'ai entendu, mais je ne suis pas sûr. Et vous, comment vous vous appelez ? Didier ? Encore avoir entendu Didier, je sais pas. Comment vous vous appelez ? Hein ? Didier, est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes content de nous voir, Didier ? Il y a eu un moment de radio là. Didier, est-ce que vous êtes là ? Elle dit plusieurs fois Didier.
Donc Didier, vous êtes bien un homme. Est-ce que vous pouvez répondre oui? J'ai l'impression qu'il y a une femme également. Est-ce qu'il y a une femme qui est parmi nous? Ah, quelque chose avec la Spirit Box? Décidément. C'est vous qui avez arrêté la Spirit Box? On va arrêter. Alors, il me semble hein, avoir entendu... Tiens, reprends-la, s'il te plaît. Tu me dis hein, pour le K2, hein, s'il s'active. Il me semble avoir entendu Didier. Oui. Voilà, jamais aussi l'entendu. Également le prénom Jérémy, évidemment, je verrai tout ça au montage. Je vais essayer d'appeler les entités à se manifester. On va voir ce que ça donne. Je vais éteindre. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Est-ce que quelqu'un m'entend et souhaite discuter avec moi? Pour prendre contact avec nous, vous avez différents moyens, des appareils que j'ai disposés dans la maison. Notamment tous les appareils avec une petite lumière allumée là. Si vous vous approchez de lui, ça va émettre un son et des diodes, des petites lumières vont s'allumer. C'est sans danger pour vous. C'est uniquement pour nous montrer que vous êtes là, que vous voulez discuter avec nous. Vous pouvez également taper dans un mur. Un coup pour dire oui, deux coups pour dire non. Vous pouvez nous parler, il y a les caméras qui enregistreront, ou peut-être même nous parler directement, on vous entendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce que quelqu'un m'entend et souhaite discuter avec nous? Est-ce que vous êtes là? On ne vous veut aucun mal, on veut juste entrer en contact avec vous. Tapez quelque part pour répondre oui, une fois, ou deux fois pour répondre non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? D'appeler là-haut.
Est-ce que quelqu'un m'entend et souhaite discuter avec moi ? On ne veut aucun mal. On essaie juste de discuter, de dialoguer. Est-ce que quelqu'un nous entend ? Là, par exemple, dans cette pièce, j'ai déposé un enregistreur qui peut enregistrer vos voix. Vous pouvez laisser des messages. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Plus si j'en avais mis une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'une entité qui habite ce manoir souhaite discuter avec nous ? Une ou plusieurs, hein, d'ailleurs. Oh la vache. T'as entendu ? Alors là, il y a eu un énorme bruit. On se dirige vers la source. Bonsoir. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit là ? Est-ce que vous pouvez recommencer ? Approchez-vous de l'appareil là situé sur la petite table en bois là. Ça va faire du bruit, regardez, écoutez. Et il y a des jolies lumières qui vont s'allumer. C'est sans danger pour vous. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? On a vraiment entendu un gros bruit, hein, Jérémy ? Ouais. Comme un bruit de pas ou... Quelque chose qui a bougé. Quelque chose qui a bougé. Est-ce que c'était vous ? Allez-y, hein, recommencez. Justement, moi, ça me fait plaisir de prendre contact avec vous. Je suis sans danger pour vous comme mes appareils, donc vous pouvez y aller.
On va rester un petit peu ici. On va essayer d'écouter. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit là dans la pièce à la droite là? N'hésitez surtout pas. On ne veut pas vous faire de mal. Allez-y, recommencez, s'il vous plaît. Dieu que l'on droit évoque. On va se balader dans le manoir, hein. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que je suis en train d'éclairer là? L'appareil avec la petite lumière verte. Est-ce que vous pouvez vous en approcher? Ça le fera réagir. Maintenant, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, il faut nous le dire aussi. Il n'y a pas de problème, on vous laissera. Je me suis déjà rendu dans un endroit qui était habité par des invisibles. Ils m'ont dit que je les dérangeais, j'ai plié bagage, je suis parti. Mais il faut nous le dire. Faut vous manifester. C'est pareil, hein, ici, il y a un appareil qui émet une lumière verte là au sol. Là. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Chercher le thermomètre pour pointer. Hop, on va remettre l'infrarouge. Bah, il est où? Où c'est que je l'ai mis? Je l'ai encore paumé, c'est pas possible. Je sens que tu l'avais posé par là. Ou dedans, non? Parce que j'ai pris la boîte. T'es sûr que tu l'as pas? Putain. Non, je l'ai pas. Il me semble que je te l'ai donné. Non, tu m'avais mis la box. Bah zut alors, il est où ce con? Parce que là, ouais, je l'ai pas.
c'est dangereux hein, comme endroit. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil? Je mets le bout rouge là. Est-ce que vous pouvez le faire? Je vais aller dans mon endroit préféré où à chaque fois j'ai failli me tuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec nous? Est-ce que vous pouvez taper contre un mur? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser réfléchir un petit peu. Peut-être que vous n'avez pas envie de communiquer avec nous. On va sortir du manoir quelques minutes. D'accord? Nous, on va aller se reposer parce qu'on fatigue à essayer de prendre contact avec vous. C'est fatigant, surtout quand on doit changer les batteries, tout ça. Et puis on va revenir, on va essayer de reprendre contact avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. De quoi, la Spirit? Ouais. Allez, il est 23h25. On va couper 5-10 minutes. À tout de suite. Allez, on y retourne après une petite pause. Je vais prendre ma lampe parce que je vois que dalle. Allez, c'est parti. Et encore, je me cogne dans la porte.
Rebonsoir. C'est toujours Cédric et Jérémy. On va de nouveau tenter de rentrer en contact avec vous, avec la Spirit Box. On va voir, vous avez peut-être des choses à nous dire. Pendant qu'on discute avec la Spirit Box, vous pouvez toujours, je vous le rappelle, vous approcher de l'appareil qui est au sol, là, que je montre avec le point rouge. Tiens, passe-moi la Spirit Box, hein, Jérémy. C'est bien. Je sais pas si tu vois ma main. Merci. Alors, j'aurais pas dû éteindre ma lampe. Ouais, approche-toi, donc on va essayer en FM. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend et souhaite discuter avec nous ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ça, je pense que c'est la radio. Ouais, c'est la radio, c'est le problème quand on est en FM. On va essayer en AM, moi je préfère de toute façon. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que vous pouvez dire bonsoir ? Alors j'ai entendu quelque chose, mais je ne sais pas si c'est un bonsoir. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez répéter le prénom Jérémy ? Jérémy, est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît ? Ça donne rien. On réessayera plus tard. Voilà, j'ai rien capté de probant. On va vous laisser tranquille, on va aller ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui souhaite discuter avec nous ?
Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que je vous ai décrit tout à l'heure? Encore une fois, c'est sans danger pour vous, je vous l'assure. Je vous en donne ma parole. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous pouvez faire un bruit? Nous dire quelque chose? Trop de bruit de parasites ici avec la route là. On est au bord de l'autrée là. Je pense que si quelque chose se manifeste, elle le fera quand on sera pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dangereux, mais oh la vache, tu regardes ton K2 aussi, hein, Biloute, hein. Essayer une séance de spirit box ici, hein. C'est jamais. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais aller reste où t'es, sinon tu vas être filmé. Hop là. Donc l'appareil que je tiens dans les mains peut vous permettre de discuter. Il peut vous permettre de laisser des mots. Est-ce que vous voulez essayer? Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui m'entend? Ah, j'ai entendu un oui. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Didier? J'ai entendu. Didier, est-ce que c'est vous? Que vous avez habité ce manoir? Qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi la spirit box s'éteint comme ça là? Je comprends pas. C'est la première fois que ça me fait ça. On va retenter. Alors
il y a un problème. Il y a un problème avec la spirit box, je sais pas pourquoi elle fait ça. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Je comprends pas ce qui se passe avec la spirit box là, ce son qui s'éteint là. C'est assez étrange. Tiens, reprends-la s'il te plaît. J'espère que c'est juste la pile qui est plus bonne. Pourtant je l'avais changée en venant d'arriver, enfin bref, avant l'enquête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se manifester ici là ? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai mis au sol ? C'est toi qui as fait le bruit là ? Ouais, c'est vous, je me fais. D'accord. Parce qu'alors là, il aurait été beau. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui émet une lumière ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Ça, c'est une moto. Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Taper dans un mur, là, par exemple, comme ça ? Est-ce que vous pouvez le faire ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ? S'il vous plaît. On serait super content si vous vous manifestiez. Si notre présence vous dérange, faut nous le dire également, on s'en ira. Mais si vous ne nous le dites pas, on ne peut pas deviner. Est-ce que vous voulez bien le faire, s'il vous plaît ? Que s'il y a quelque chose, alors ce qui est étrange, c'est que lors des visites que j'avais fait, je vous dis, ça s'est activé deux fois les détecteurs EMF, c'est assez étrange. Ils veulent peut-être pas ce soir, on va peut-être pas insister trop longtemps. C'est aussi ça, hein, le paranormal, hein, de temps en temps, il se passe rien. Bon, il y a eu quelques trucs dans la spirit box, il y a eu ce bruit, peut-être un courant d'air, mais il y a surtout les batteries qui se déchargent et la spirit box qui se coupe sans aucune raison. Donc ça, je trouve ça vraiment étrange. On va remonter là-haut.
C'est là où qu'on a entendu le bruit et qu'on a eu des... On a eu des réponses dans la Spirit Box. Ils sont peut-être plus par ici, si entité il y a, bien sûr. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? On va voir la Spirit Box, là, je vais refaire un essai, j'avoue que ça m'inquiète un peu. Alors là, remarche. J'avoue que là, je comprends pas ce qui se passe. En tout cas, j'ai entendu de nouveau Didier, moi. Je sais pas si tu l'as entendu, Jérémy. Ouais. Maintenant, je rêve peut-être, hein. C'est peut-être mon imagination, on verra ça au montage. Ça ressemble bien, peut-être. Je m'appelle Cédric. Et je cherche à rentrer en communication avec une possible entité qui s'appellerait Didier. Est-ce que tu m'entends, Didier ? Ou est-ce que vous m'entendez plutôt ? Oui ? Il semble avoir cru entendre un oui, j'espère. Oui. Êtes-vous là, Didier ? Alors là, j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas du tout, mais du tout ce qui se passe. Là, je suis. Je suis sur le cul. Je sais pas ce qui se passe, mais du tout. Pourquoi elle se coupe comme ça, là, je l'explique pas. On va poser la question aux entités, aux possibles entités du lieu. Est-ce que c'est vous qui éteignez la Spirit Box comme ça ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Est-ce que c'est vous qui déréglez l'appareil que je tiens dans ma main droite ? J'aimerais bien savoir si c'est vous. Oh la vache ! T'as entendu là ? Ouais. C'était pas dehors. Non, c'était dans la maison. Est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit ? Oh, j'ai un courant d'air froid. Mmh. Est-ce que vous êtes là ? Là, il se passe quelque chose. On entend des bruits de pas là. Est-ce que c'est vous ? Regarde la différence de température. 23. Voilà, après c'est pas assez, mais là j'ai eu un... Regarde, ça monte là. 24. Est-ce que vous êtes là ? Il y a eu un courant d'air, mais gelé. Je sais pas si tu l'as senti. Senti après. Juste après le bruit. Alors, il y a des courants d'air, hein, ce qui est normal, hein, c'est une vieille bâtisse, c'est ouvert de partout, mais un courant d'air froid comme ça, c'était gelé. Est-ce que c'est vous qui nous tournez autour, tout simplement ? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que mon collègue tient à sa main ? Je suis en train de le filmer, le K2.
Donc pour moi, c'était des bruits de pas. Hein. Ça venait de l'escalier, ça venait d'ici. Ça venait de cet étage-là. Là, il fait 23. 23. Tout à l'heure, il faisait 22. Mais le courant d'air froid, mais gelé, comme un peu comme celui que j'avais vu à Fougeray. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Est-ce que c'est vous qui avez déréglé mon appareil que je tiens dans la main droite, là, la Spirit Box ? C'est quand même étrange, quoi. C'est super étrange. Là, franchement, j'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est la radio, hein, y a pas de problème. J'avoue que... Est-ce que c'est vous qui déréglez l'appareil que je tiens dans la main ? Non mais c'est un truc de malade. Et en plus, elle continue de chercher la station. Alors là, j'avoue que j'ai jamais vu ça. J'explique pas ce qui se passe. C'est, j'avoue que là, est-ce que c'est vous qui déréglez l'appareil que j'avais dans la main droite ? T'as la température, elle est revenue normalement. Mmh. Mais ce qui est étrange, c'est vraiment ces bruits et ce courant d'air froid là. Ton K2 il s'est pas allumé, t'as peut-être tourné la tête à ce moment là, non ? Non. C'est vraiment étrange hein, ce qui se passe là. J'avoue que la Spirit Box là, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est vraiment, vraiment étrange. Là, j'avoue, je sais pas ce qui se passe. Les batteries qui se déchargent, la Spirit Box qui se coupe, où le son se coupe comme ça. Alors, est-ce que c'est un signe que les batteries, enfin que la pile est morte ? J'en sais rien parce que je l'ai changé avant de venir. Je change toujours mes batteries, hein, et mes piles avant de venir. Donc, j'avoue que là, je suis un peu perturbé là. Changer la batterie hein, du caméscope là, elle commence à être morte. Putain, si je tombe, ça va pas le faire.
Maintenant, voilà, il y a du vent, hein, donc je ne veux pas non plus. Mais le vent est chaud là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu tout à l'heure. Mais rien. En bref, je vais couper 2 secondes, je vais changer la batterie. Je reprends après. Je viens de changer la batterie du caméscope. J'avoue là, je sais pas ce qui se passe. Ça me perturbe vachement. Tiens, passe-moi ma lampe, s'il te plaît. Bon, le K2, il est toujours là. J'avoue que là, je sais pas ce qui se passe. Le Spirit Box qui tombe en rade comme ça. Puis là, j'ai pas mon testeur de... Tu sais, de batterie. On va voir si c'est à cause de ça. J'en sais rien. Ça m'agace un peu. Alors, est-ce que vous vous êtes manifesté ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai l'impression que c'est là-haut. Ouais. C'est là-haut qu'il se passe quelque chose. On bouge pas, je passe au-dessus de toi. On va retourner là-haut. Moi, à mon avis, il se passe quelque chose là-haut. Vous pouvez toujours faire interagir l'appareil hein, qui se trouve dans cette pièce. N'hésitez surtout pas. Ah là, il y a un petit courant d'air. Hein. La maison est ouverte. C'est normal, mais ça explique pas. Le courant d'air gelé qu'on a senti tout à l'heure parce que c'était vraiment très très froid. Les bruits de pas au même moment, la spirit box qui tombe en rade comme ça, là j'avoue que il y a quelques petits signes qui me font penser qu'il y a peut-être quelque chose. Didier, est-ce que vous êtes là? Donc j'ai le détecteur EMF via le téléphone portable, je rappelle qu'il est en avion. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, Didier? Didier ou quelqu'un d'autre d'invisible qui pourrait éventuellement habiter ce manoir abandonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'aurais dû le sortir le truc au moment du courant d'air froid. J'y ai pas pensé. Bien, cette enquête vraiment me perturbe parce qu'il se passe plein de petits trucs, les batteries là. Bon, je suis au courant hein, que ça peut arriver dans les endroits dits chargés. Là, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça et plus la spirit box, tout ça, ça me perturbe un peu. Est-ce que quelqu'un souhaite discuter avec nous? C'est toi qui as fait le bruit là? Non. T'as pas entendu?
Si. Ça venait d'où? Bah, dit plus en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous? On tient deux appareils dans nos mains. Est-ce que vous pouvez vous en approcher? Est-ce que l'invisible qui s'est approché de nous tout à l'heure peut recommencer, s'il vous plaît? Putain. Non, c'est moi. Je l'ai approché de la pile, comme ça. Je suis désolé. Je l'ai approché de la pile. Je l'ai cru au début, mais... Est-ce que quelqu'un veut bien s'approcher de moi ou de Jérémy? On tient dans nos mains des appareils, ça les fera réagir. Ça les fera réagir et ça nous fera énormément plaisir que vous preniez contact avec nous. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Là-bas, il y a le pod. Est-ce qu'une entité peut s'approcher également de l'appareil, hein, ça s'appelle un pod, il est posé là dans la pièce juste à côté de nous, sur une espèce de table que des gens ont déposé ici. Est-ce que vous voulez vous approcher, s'il vous plaît? On veut pas vous faire de mal, hein, encore une fois, on veut pas casser le manoir, c'est pas notre but. C'est moi qui ai fait le bruit. Ou alors, voilà, si vous voulez pas vous manifester, ou si on vous gêne, faut nous le dire et je vous promets qu'on s'en ira. Est-ce qu'on vous gêne? Le deuxième, là. Ouais. Je sais même plus où on est. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'en aille? Toi qui fais du bruit. Ouais. Bon, je crois qu'on va pas tarder à stopper l'enquête. Hein. J'ai le sentiment,
Bon, outre l'oppression que... Et même la, ouais, la, on peut le dire, la flippe que représente ce manoir, parce que vraiment, je le trouve vraiment flippant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il est peut-être, effectivement, qu'il y a peut-être quelque chose. Mais que je sais pas, ils veulent... ils veulent pas, quoi. Je sais pas. On a eu 2-3 manifestations quand même. Maintenant, peut-être qu'au montage, je vais découvrir autre chose. Ça, c'est possible. C'est d'ailleurs beaucoup au montage que je découvre. Mais là, j'ai le sentiment ouais, enfin, que les entités qui habitent le lieu, si, il y en a, bien sûr, elles sont aussi peureuses que nous, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, le même, ouais, ou elles osent pas. Je sais que je suis le premier enquêteur à venir ici. Donc peut-être qu'elles connaissent pas le matériel. Je sais pas. Les batteries qui se déchargent comme ça, où on est obligé de mettre des piles, la spirit box qui à chaque fois marche 2 secondes et après s'éteint. Les bruits, le courant d'air froid. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je suis partagé entre peut-être le vent, tout simplement. J'en sais rien. Je pense que c'est au montage si je découvre quelque chose ou que je me ferai une idée de la hantise au lieu du lieu. En tout cas, même s'il est pas, si le lieu n'est pas hanté, j'avoue quand même que c'est une belle balade parce que il est flippant, quoi. Mmh. Hein, ouais. Dire, moi, j'y dormirai pas la nuit, quoi. Hein, ça, c'est sûr. Même le jour. Ouais, même le jour. Hein. Là, je... Voilà. Bon, bah, écoutez, on va stopper l'enquête. J'espère que je découvrirai des choses au montage. Je vous fais des gros bisous à tous. Samedi... Je vais de nouveau en enquête, hein, dans un autre lieu, où j'espère j'arriverai à capter des événements, des phénomènes. En tout cas, merci à vous, si vous vous êtes manifesté, on n'a peut-être pas entendu, on n'a peut-être pas vu. Merci. Maintenant, on va ranger nos affaires. Et on va quitter les lieux. Voilà, donc merci, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous vous êtes manifesté, c'est très gentil à vous. Je vous dis au revoir et en espérant que votre manoir... ne sera pas plus dégradé par des jeunes ou des vieux, même sans respect, hein, qui respectent pas les lieux. Moi, j'adore la vieille pierre, j'adore tout ce qui est les maisons anciennes, j'adore ça. Et c'est avec un immense respect pour le lieu et pour vous que je vous dis merci si vous êtes manifesté, ou même si vous étiez là et que vous aviez peur, ce que je pense un peu était le cas. Donc voilà, mais disons qu'il y a eu 2-3 événements qui font que bon, j'ai des doutes quand même à voir au montage. Voilà. Allez. Bah, chers abonnés, je vous donnerai des nouvelles, hein, du montage. Hein. De toute façon, qu'il y ait des événements ou pas, je publierai la vidéo. Je ne fais pas ça pour l'Oscar du meilleur chasseur de fantômes, c'est loin d'être le cas pour moi en tout cas. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.